Amis du sport, bonsoir. Merci de nous suivre. Retour à l'écran reçoit aujourd'hui pour vous Dramane Nyanou, ancien international de volleyball. Dramane Nyanou, bonsoir. Bonsoir Kéné. Première question, qui est Dramane Nyanou? Je suis né à Gawa le 7 octobre 1939. Et je suis marié et père de 8 enfants. 4 garçons, 4 filles, et grand-père de 15 petits-fils. Ah oui. Allah, c'est bien. Alors, Dramane, votre parcours professionnel? J'ai commencé comme enseignant. Et je suis sorti du cours normal en 1957, affecté à Wajuguya, ensuite Lumana, ensuite Banfora et Bobo Dioulasso. Comment Dramane Nyanou est arrivé au sport et plus précisément au volleyball? Mon premier ballon de volleyball, je l'ai touché au cours normal parce que je ne savais même pas ce que c'était que le volleyball. Oui. C'est là-bas qu'on a appris. Et donc c'est en 1953 que j'ai touché pour la première fois une balle de volleyball. Et là, je faisais partie de l'équipe du cours normal. Il y avait les compétitions entre Bobo et surtout Koudougou et Ouagadougou, parce qu'il y avait les deux seules équipes de volleyball au secondaire. Ça, c'était au plan de l'UCBF à l'époque. Bon, c'était, on n'appelait pas ça l'UCBF. C'était même les rencontres inter-établissements. Et à l'époque, il n'y avait que le lycée Ouézin, le lycée Zinda, le cours normal de Koudougou, le centre technique de Ouar, qui est devenu le lycée technique, et il y avait Wayuguya, aussi cours normal de Wayuguya, et cours normal de jeunes filles de Koudougou, et c'était tout. À l'époque, nous n'avions que deux équipes, justement, en volleyball, et c'est nous-mêmes qui avons commencé encore le volleyball au cours normal. J'étais le capitaine de l'équipe des cadets, et on allait battre régulièrement Ouaga, qui était aussi en commencement du volleyball. Au niveau du lycée Zinda. Donc, du coup, normal, vous sortez et vous êtes affecté où? Je suis affecté d'abord à Wayuguya. De Wayuguya, je suis reparti à Mbrousse et à Lumana. Et de Lumana, j'étais affecté à Bobo. Et ça, c'était en 1962. Et à ce moment-là, bon, on avait... Après le cours normal de Koudougou, il n'y avait plus de volleyball quelque part. C'était fini. Donc je suis reparti, comme je l'ai dit, je joue aussi au basket. Donc maintenant, je ne faisais plus que du basket. Ah bon? À Bobo. Grand basketteur. Dans les années 1965, vous signez, si on peut s'exprimer ainsi, votre première licence dans le volleyball club de Bobo Dioulasso, sans doute une équipe que vous avez créée, puisque vous y êtes resté jusqu'en 1978. C'est ça. À Bobo, disons que nous avons créé le volleyball. Il y a un ancien militaire qui était là, Sanou Sungalo, qui avait fait un peu de volley dans l'armée. Bon, un type plein de courage qui un jour a dit « Ah, tu sais jouer au volleyball ?» J'ai dit « Oui. » Bon, on va créer une équipe à Bobo. Et c'est là qu'à l'entrée du stade municipal de Bobo, à l'époque, au fond, à droite, il y avait un cours de tennis abandonné par le colon. Alors on a fait les démarches nécessaires pour transformer ce terrain de tennis en terrain de volleyball. Et voilà comment a commencé le volleyball également civil au niveau de Bobo Dioulasso. Le VCB, donc, il y avait des compétitions, c'est ça, oui, à l'époque. Oui. Vous étiez la seule équipe à Bobo. On était la seule équipe à Bobo. Il y avait aussi une équipe à Ouagadougou. Bon, quand les moyens nous permettaient, on se rencontrait. Il y a des années où on pouvait se rencontrer, il y a des années où on ne peut pas se rencontrer. Mais on était quand même très actifs. Parce que je me souviens que le premier match international qu'on a eu en volleyball, c'était contre le Mali. À Bobo, et nous avons invité l'équipe malienne. L'équipe malienne est venue, j'allais dire pratiquement l'équipe nationale. L'équipe malienne est venue. Pour jouer contre le VCB. Et voilà. Bon, et voilà notre politique à l'époque. On s'est dit, les gens ne connaissent pas le volley. Comment est-ce qu'on va leur donner l'amour du volley? Vulgariser.
vulgarisé. C'est ainsi que nous avons initié, lors de la venue de l'équipe malienne, une grande soirée dansante sur le terrain même du volleyball. Et Volta Jazz est venu, on a fait la tambour, on a tabassé, tout le monde est venu. Quand les gens se sont installés, on a commencé à danser, on a arrêté un certain moment, on a écarté les tables, on a monté le filet de volleyball. Et nous sommes montés pour attaquer le Mali. Mais quand les gens ont vu ça, ils ont dit, mais nous on prenait le volleyball pour un sport de filles. Ja, c'est pas fidèle. Et voilà comment les gens ont commencé à apprécier le volleyball à Bobo Dioulasso. Nianou Draman, vous avez fait partie aussi de l'équipe nationale de 1965 à 1978. Jean-François et son frère, son grand frère, étaient le président même de la fédération de volleyball. Comment on appelle Noël. Il faut dire, la famille Ouédraogo, pratiquement tout le monde a joué au volleyball. Et moi, je peux affirmer sans me tromper que le volleyball a été fabriqué à Ouaga par cette famille-là. Et nous avons fait partie de la première équipe. Bon, ça, on a donné tant bien que mal ce qu'on pouvait donner. Alors, les compétitions internationales, vous vous rappelez un peu? Je veux parler des garçons. Bon, les compétitions internationales, c'était lors la préparation des Jeux africains surtout. Bon, avant, l'accent était surtout mis sur le basketball. Quand les Jeux de Brazzaville, de Madagascar, de machin, bon, nous, le volleyball n'y participait pas. Ce n'est que à Lagos que le volleyball de la Haute-Volta s'est pointé pour la première fois et c'était nous la première équipe. Bon, il faut dire quand même qu'à l'époque, on apprenait sur le tas comme ça, on ne pouvait pas rivaliser avec des gens qui ont fait des formations. Mais c'est là, véritablement, que nous avons commencé. Et c'était l'apprentissage. Et c'était l'apprentissage de l'équipe, sur le plan national, international, je veux dire. Et c'était avec le ministre Félix Kientraboum. Et c'est lui aussi, en même temps que le chose, comment on appelle, le football avait structuré le sport voltaïque à l'époque. Et ça, c'était pas dans les années 65, c'est vers les années 70-73, lors des préparatifs des Jeux africains de Lagos. Nianou Draman, la formation, hein, vous êtes reconnu comme l'un des plus grands formateurs, en tout cas du Burkina, parce que vous avez beaucoup fait pour l'essor du volleyball féminin. Alors, racontez-nous un peu, vous êtes parti d'où, hein, de la base? Si c'est le volleyball féminin, il faut dire que tout le mérite revient aux inspecteurs de l'enseignement de l'époque. Notamment, je vais parler de Charles Naon, qui était éventuellement arbitre en football. Oui. Il était inspecteur à Bobo. Il fut même président de la fédération. Et c'est lui qui a initié l'OSEP avec comme discipline football et volleyball féminin. On avait donné le football aux filles et aux garçons et le volleyball aux filles. Et d'ailleurs, même c'est pour cette, je peux dire sans me tromper que nos plus grands joueurs de football sont issus justement de cette formation à l'OSEP. Nous, en ce qui nous concernait, c'était les filles et j'en étais le responsable. Bon, la formation, vraiment, on a fait autant qu'on pouvait. Bon, je ne vais pas donner ici les détails de ce qu'on faisait, mais toutes les semaines, toutes les écoles envoyaient deux filles les mercredis pour un encadrement. Toutes les écoles de Bobo. Toutes les écoles de Bobo. Alors donc, vous voyez, ces deux filles multipliées par le nombre d'écoles, ça fait un bon lot. Ouais. Et de ce bon lot, s'il faut sortir d'une équipe, et vous savez que les filles, quand elles font du sport, vraiment, elles sont assidues et elles aiment ça. À l'époque, le volleyball a eu tellement d'engouement qu'à la récréation, dans les établissements, dans les écoles primaires, les filles roulaient en boule leurs mouchoirs,
Elle se passait ça. Elle se passait ça. Dans toutes les écoles, à la récréation, au lieu de jouer à la marelle ou à ça, elle jouait au volleyball. Il y avait des les compétitions étaient d'une telle importance que, tenez, je vais vous raconter qu'il y a eu une école catholique, l'école Coco, d'où est issue ma femme d'ailleurs, ma femme était à faire l'école Coco, avait une compétition avec nous, Diaradougou, nous étions intouchables. Mon équipe, bien sûr, la Diaradougou était intouchable. Et Coco devait nous affronter. Coco est allé voir un marabout. Les élèves, à l'insu de leur entraîneur. Et on a dit au marabout, bon, si on joue contre Diaradougou, si on gagne, on va payer ça. Et on a joué, elles ont perdu, elles ont refusé de payer. Et maintenant, ça faisait une histoire monstre. Parce que quand on est parti dire aux bonnes heures que leurs filles sont venues chez le marabout pour gagner le match, et puis, ah, bon, ça, c'est une anecdote que je raconte en passant. Alors, donc, c'était un beau monde, hein, les filles, pour cette formation. Vous étiez seul ou bien vous étiez appuyé de... Parce que oui, les entraîneurs se faisaient rares quand même. Oui, oui, oui. J'oubliais de préciser que en même temps que les filles, je formais également les garçons. Les enseignants qui étaient intéressés venaient et on faisait une formation. Ils apprenaient un peu les fondamentaux. Voilà, et ils repartaient au niveau de leur école pour... véhiculer. Et à la fin, je vous dis qu'il y avait une certaine rivalité entre d'abord les enseignants et même les... Je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi. Mais bon, vous voyez, vraiment, à Bobo, il y avait le volley-ball. De votre centre de formation, sont sorties de grandes volleyeuses et qui ont même joué d'abord dans les clubs, à Bobo et Dulasso, puis en équipe nationale. Racontez-nous un peu. Bon... Il faut dire que l'OSEP aussi existait à Bobo, à Ouaga, à Koudougou, à Ouayougouya. Donc, je crois que les autres aussi ont pris l'exemple de choses de Bobo. Alors, donc, chaque année, on se rencontrait au niveau de Ouaga, à OSEP ou à Koudougou, ou même Banfora, parce que Banfora également était là. Et c'était les deux disciplines, football et volley. Alors, donc, cela a contribué à former effectivement des filles. Mais comme nous, on avait pris l'avance, on était un peu, évidemment, devant les autres. De sorte que nous avons eu à produire des gens comme Traoré Maïmouna, il y avait deux d'ailleurs, Zeba. Maï était du côté d'Abidjan, de la petite. Merci. Maïmouna est Traoré. Monnayé, ses talents en Côte d'Ivoire. Bon, l'autre Maïmouna qui était là, elle était discrète, mais efficace. Campané, Rosalie, les comment on appelle, les... Bon, au niveau des autres, OSEP aussi, il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés, et notamment une certaine Lucie Kabore, Lucie qui avait tellement de cœur que si elle le perdait, elle Nikiema. C'est la sœur Lucie Nikiema, c'est jouée à la fois. Kabore, Nikiema. C'est Nikiema. Oui, Lucie Nikiema. Celle-là, vraiment, je l'ai appréciée. Attaquante. Ça, c'était, voilà. Ça, c'était au niveau de l'équipe nationale. Nationale. Non, je l'ai appréciée. Dernièrement, j'avais une flopée de joueuses. Tant à Bobo qu'à Ouaga. Une fois, je me rappelle qu'à l'équipe, à une rencontre fille en Côte d'Ivoire, bon, j'avais amené l'équipe de Ouaga seulement en Côte d'Ivoire, parce que les autres là, c'était des élèves, et que pour les faire déplacer, à l'époque, c'était difficile. Donc, j'allais dire, c'était presque l'équipe B, de National B, qui est allée en Côte d'Ivoire pour jouer. Et pour la petite histoire, nos compatriotes là-bas, il y en a qui sont venus me voir pour me dire, Sambiga, tu es venu jouer avec les filles ici? Je dis, ouais. Ah, bon, il faut nous dire, nous, on est comment en fille? J'ai dit non, je suis depuis là. Allez dormir tranquille. J'ai dit non, on rapporte la victoire. Il dit non, que Dieu t'entende. Parce que on est tellement fatigué ici par les défaites que si vraiment quelqu'un venait battre ces gens-là, on allait être content. J'ai dit si c'est comme ça, venez nous supporter. Et lors du match, ils sont venus en nombre. Et nous avons évidemment laminé l'équipe ivoirienne 3-7-0. Et nos gens ont fait la fête tellement ils étaient contents. Et je vous dis qu'il y a un journaliste qui est venu, il m'a demandé, mais l'entraîneur, mais on ne comprend pas comment ça veut dire qu'il y a un tel écart entre vos filles et vos garçons.
et moi aussi, pour faire le malin, je dis, bon, l'écart, ouais, ça, c'est comme ça. Mais, et puis, les filles, encore, je vous dis, ce n'est pas la première équipe qui est venue, c'est la deuxième. Ils se sont regardés, ils ont souri pour dire, ils se sont dit dans le ventre, il fait le malin. Alors que c'était vrai. Alors que c'était vrai. Alors, pour ne pas vous couper aussi, oui. Du côté des garçons, il y avait des garçons comme Abdoul, ouais, que vous avez Abdoul. Formé. Oui, Abdoul. Il a commencé depuis le VCB. Hein. Oui. Abdoul, depuis l'école primaire, il aimait le volleyball, celui-là. Hein, vraiment, il aimait. Et quand il est parti au secondaire, il a continué à jouer au volleyball. Au Togo, oui. Également, il a joué. C'était un de nos meilleurs éléments. Et une fois même, et pour une première fois, quand il était au Togo, le ministre a consenti à le faire venir pour un match. Ça ne s'est jamais vu au volleyball à haute volta à l'époque. L'équipe nationale avait son mot à dire à l'époque. Oui, l'équipe nationale avait son mot à dire. Je peux vous dire tout ça sans me tromper, qu'au niveau de l'Afrique, nous n'avions d'adversaire que l'Égypte. Sinon, tous les autres pays là, honnêtement, nous avions pris de l'avance sur eux. Mais cette avance-là, on n'a pas pu la conserver. Bon, et comme je l'ai dit, l'équipe A qui était surtout basée à Bobo ne pouvait pas tellement sortir parce que c'était des élèves. Et à l'époque, la politique sportive ne pouvait permettait pas de libérer les élèves pour des formations par-ci, par-là, des rencontres par-là. Donc on travaillait avec l'équipe de bord. Donc, vous voulez dire qu'en dehors de l'Égypte, nous, on n'avait peur de personne, personne au niveau des dames. Personne. Et s'il vous plaît, je vais vous raconter encore concernant même cette équipe. Lors de préparation de je ne sais quoi, nous devions recevoir le Nigeria en filles. Moi, je savais pertinemment que le Nigeria ne pouvait pas nous battre. Bon, on a fait... Pour une fois, on a consenti à laisser venir certains éléments de Bobo qui ont participé à l'équipe nationale. Très bien. Et le jour de la rencontre, le Nigeria est sorti en survêtement, maillot, machin. Vous savez, les filles, c'est très, 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 très important la tenue. Oui. Et nous, on n'en avait pas. Et mes filles étaient à la fenêtre à regarder. Regardez les Nigériens. Regardez les chaussures. Si je ne me trompe pas, c'était maillots. Dans les années 77-78. Exact. Au lycée Marianne Ngouabi, derrière le PM, c'était le PMK. Exact. Et le tournoi de la zone 3 de merci, CSA. Merci, merci. Mes filles étaient en admiration pour leur tenue. Leur on chaussures. Avait été battus, si je ne me trompe pas, 3-2. 3-2. Ouais. Et moi, je savais pertinemment que ces filles-là ne pouvaient pas nous battre. Et bien, quand on a été battu, et vous savez qu'on a été battu pour quelles raisons? Parce que mes filles, j'ai tout fait. Elles ont été mystifiées. J'ai demandé à ce qu'on nous trouve des survêtements, au moins pour. Il n'y en avait pas au magasin du ministère. C'est Paul Bouda qui a finalement téléphoné à la SICA pour que la SICA nous envoie tous les survêtements là-bas. Il y avait de toutes les couleurs, des bleus, des verts, des blancs. C'était des le machins. Médecin et après la mort. Non, ouais. Avant le match. Avant le match. Oui, de toutes les tailles. Donc les filles ont mis jusqu'au ventre, replié les pantalons. Vous savez, avec un complexe, elles sont parties avec un complexe d'infériorité et le Nigeria nous a battus. Alors que je savais perdre. Il y avait le match retour. Et moi, j'ai dit, quelqu'un même m'a dit que, ouais, Nyanou, c'est toi qui dis toujours le malin, tu dis que tes filles peuvent battre tout le monde. Voilà, Nigeria vous a battu. J'ai dit, non, c'est pas Nigeria qui nous a battu avec la technique, hein, c'est la tenue de Nigeria qui nous a battu. J'ai dit, on n'a qu'à réparer et vous allez voir. Et ça a été réparé. Et on a gagné. Au retour, deux jours après, puisque pour éviter les déplacements, on était convenu de faire l'aller. Tel jour et le retour deux ou trois jours après. Alors, je rappelle que vous avez pris la sélection nationale à partir de 1973. On se rappelle encore de ces matchs entrant dans le cadre donc, des festivités et de la révolution, de l'avènement de la révolution. Ah, c'était une très bonne époque, mais avec peut-être de mauvais souvenirs aussi, non? Bon, oui.
Les festivités du 4, vous savez qu'on avait, on invitait les pays amis surtout, et on compétissait en football et en volleyball filles. Bon, alors donc, tous les ans, ces pays venaient pour les festivités. Il se trouve qu'en 86, nous avons évidemment rencontré encore... Moi, en volleyball, j'ai présenté deux équipes. Tellement, on était sûr de notre force que moi, j'ai dit, je fais une équipe A et une équipe B en volleyball filles. Et le football, évidemment, c'était là. Bon, lors des compétitions, mon équipe A a battu tous les pays. L'équipe B aussi a battu tous les pays. Donc, Burkina A s'est retrouvé contre Burkina B. En finale. En finale. Et évidemment, Burkina A a gagné. Cette même année, le football aussi a gagné et est allé en finale et a joué la finale et a gagné le tournoi. Bon, alors donc, c'était la joie. La camarade ministre à l'époque était contente. Elle a dit, bon, voilà, je suis contente. Bon, allez, le football, gardez tout ce que je vous ai donné pour le stage-là. Survêtements, maillots, shorts, chaussures, tout. Bien, ça s'est passé là. Et le volleyball, les filles disent, mais, coach, et nous? Ah, le ministre n'a rien dit. Bon, je vais aller voir. Je vais voir au ministère, on me dit, rendez tout. Bon, alors, en fin de compte, de tirement en tirement, les filles ont fini par dire, ah, nous, on ne comprend pas quand même qu'on rende. On permet au football de tout garder, et nous, rien. Bon, dans ces conditions, nous aussi, on ne rend rien. Ah, coach, si vous voulez nous tracer une à une pour prendre vos tenues, vous les prenez. Alors, quand je suis remonté pour plaider encore ma cause au ministère, j'ai été encore renvoyé. J'ai dit, rendez tout. La part du camarade ministre qui dit, rendez tout. Finalement, comme le ton montait, elle a fini par me traiter d'incapable. Et j'ai dit que je ne l'autorisais pas à me traiter d'incapable. Alors, elle a dit, bon, très bien, sortez de mon bureau. Je suis sorti. Et deux jours après, elle me fait venir pour me dire que, bon, l'administration territoriale demandant 10% des personnels des ministères pour aller servir en province. Monsieur Nyanou, j'ai le plaisir de vous informer que je vous ai mis dans les 10%. Vous allez aller servir en province. Une sanction. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, mes camarades ministres, si c'est pour aller servir dans une province du Burkina, moi je ne vois pas d'inconvénient. J'ai dit, pour lui, que ce ne soit pas en dehors de Burkina. Elle a dit, sortez de mon bureau. Je suis encore sorti. Et voilà comment est-ce que j'ai été remis à l'administration territoriale et affecté comme préfet à Pensa, derrière Kaya. Préfet à Pensa, donc en 1987. Oui. Pas découragé, vous servez le Burkina. Oui. Et vous continuez même à jouer au volleyball. Dans l'équipe de Kaya. Oui. Je faisais partie de l'équipe de Kaya. Quand j'avais un match à Dori, on venait me chercher. Et je disais même souvent, bon, vous, comme je suis plus près de Dori, vous allez en voiture, je vous rejoins en moto. Et je prenais les raccourcis pour aller là-bas. Et puis, j'ai joué dans ma chaîne de l'équipe, dans le championnat de l'équipe de Kaya. Donc, j'ai encore des gens ici. Chaque fois qu'on se voit, on se dit, collègue. Alors qu'ils sont. Alors, préfet à Pensa, puis à Lumana, oui. Hein, à quelques kilomètres de Banfora d'ici. Mm-hmm. Et vous poursuivez votre rôle d'entraîneur, d'entraîneur-joueur. C'est ça. Et c'est là même que de Lumana, je venais jouer à Banfora. J'étais dans l'équipe de Banfora, des GMB. Et finalement, on m'a pris comme entraîneur et j'ai maintenu l'équipe là jusqu'en 2005 ou comme ça. Et c'était depuis les années 89 oui. Que vous êtes arrivé, 89-90. Oui, à peu près, voilà. Et chaque fois, je pouvais venir, jouer à Banfora. Et même à l'époque, on a joué ensemble, d'ailleurs, dans l'équipe c'était des enseignants, non? Oui, oui. Oui, oui. Et puis, vous en souvenez, j'espère. Je vois. J'étais à Toussiana. Ah, bon, à l'époque. Voilà. Alors, la retraite en 1993,
vous décidez donc de vous installer ici à Banfora, alors que vous êtes né à Gawa. Ouais. Je sais d'où vous venez, Wahabou. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là de rester ici? Bon, le choix, vraiment, je ne peux pas vous dire. Partout, c'est le Burkina. Partout, c'est le Burkina. Et comme moi, j'ai mis pied à Banfora pour la première fois en 58, quand j'ai été affecté à Lumana. Donc, j'étais vraiment, j'avais des camarades ici. Lors de mes passages, j'avais des camarades ici, on faisait ça et ça. Et j'étais, je jouais même un peu au foot et quand je pouvais à Banfora. Et j'étais même chanté de l'orchestre de Banfora à l'époque, quand j'étais tout jeune. Ah ouais. Mais tout ça, ça a créé des liens. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas Banfora? Votre basketball n'est pas allé très loin, ou bien vous avez décidé d'aller plutôt au volley que de continuer dans le basket? C'est ça. Bon, le basket, vous savez, comme je disais, au cours normal, on jouait en même temps au basket et au volley. Bon, ici, je me suis retrouvé à un certain moment, d'abord dans le basket, parce qu'il n'y avait pas le volley quelque part. Bon, c'est en 63 même qu'on a ici l'équipe nationale de basket qui a commencé à faire parler du basket en haute volta. Et vous étiez joueur? J'étais joueur. Bravo. J'étais joueur dans l'équipe nationale de basketball avec les Wedouda, les Jean Guigma, Sama. Merci. Et il y avait les filles aussi. Il y avait l'équipe féminine aussi. On a reçu la même formation. Et je vous dis que c'est à partir de là que la haute volta a commencé à faire parler d'elle en basket également. Bon, à un certain moment, je me suis retrouvé coincé. Je jouais au basket. Et j'étais également dans l'équipe nationale d'athlétisme. Parce que c'est moi qui ai franchi pour la première fois le cap des 7 mètres. En longueur. Ah. Oui, oui. Et même que je suis allé au Nigeria, à Lagos, en tant qu'athlète et non en tant que volleyeur. Sportif au complet. Bon, complet, c'est trop. Alors, on revient à notre volleyball. Vous avez fait des formations, aussi bien au Burkina, des stages, surtout en Allemagne. Oui, surtout En Allemagne. Racontez-nous un peu. À un certain moment, comme je suis dans l'enseignement, on m'avait proposé pour des stages plusieurs fois. Mais le ministère de l'Éducation avait toujours refusé. Ce n'est qu'en 1976 que moi-même, je ne savais même plus ce qu'il fallait que je fasse. Quelqu'un vient me dire, mais tu es encore là. Et je dis, mais tu voulais que je sois où? Mais on t'a placé pour un stage en Allemagne. Je dis, mais je ne suis pas au courant. Je cours à Ouagadougou, on me dit, ah mais oui, tu dois être placé en stage et tu dois rejoindre l'Allemagne démocratique en 1976. Pendant ce temps, le stage avait commencé le 1er avril là-bas. Et moi, je suis allé avec un mois de retard. Bon, après toutes les péripéties ici, le stage durait 8 mois. Après toutes les péripéties, je suis quand même arrivé là-bas. Là-bas même, ils ont failli me refuser. Ils m'ont dit, quelqu'un qui vient avec un mois de retard, est-ce qu'il pourra suivre? Bon, on va l'essayer. Moi, quoi. Et on m'a essayé. Et chaque mois, on avait des tests. Bon, le premier test n'a pas tellement marché, mais le deuxième test, j'ai pris la tête carrément de tout le groupe. On sait, il y avait combien? Il y avait 12 pays d'Afrique à ce stage-là. Et j'ai pris carrément la tête. De sorte que même qu'à la fin du stage, le responsable m'a pris à part pour dire que, mais, Nyanou, votre pays-là, là, le Volta, vous êtes, tout le monde est comme toi? Bon, je dis oui, plus ou moins. Et j'ai dit, bon, votre dirigeant, si vous arrivez, il faut lui dire, c'est entre lui et moi. Hein, chaque fois que vous allez vouloir envoyer des stagiaires, il n'y a pas de problème. Vous aviez ouvert la porte. J'ai ouvert la porte. Parce que j'étais le premier là-bas. Mais aujourd'hui, c'est peut-être avec beaucoup de pincements au cœur, hein, j'allais dire, que vous voyez ce volleyball national en train de chuter d'année en année. Ouais. Chez les garçons, ça va un peu, mais chez les filles, pas du tout. Oui, comme vous le dites, vraiment, chez les garçons, j'ai vu quelques matchs, vraiment, ça va. Non, ça pourrait aller. Oui. Mais en filles, alors, rien du tout. Rien du tout. Vraiment, je n'ai rien vu de bon. Vraiment, et quand je vois un match féminin aujourd'hui, comparé par exemple dans les années 78, 80, vraiment ça me fait mal au cœur. Vraiment mal au cœur.
Je vois, il n'y a rien, 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 rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former les gens. Il faut les former. C'est la formation. Il n'y a pas, de solution miracle. C'est ça. Ce n'est pas le WAC qui peut nous donner ça. Ça, il faut former les gens. Et former à la base surtout. Et pour ça, il faut des gens qui soient amoureux d'abord de la discipline. Vouloir se sacrifier pour ça. Et d'abord, au niveau de... Des gens comme vous, aujourd'hui, bon, sont rares. Hein? Bon, si c'est pour des félicitations, je vous remercie parce que ça me va droit au cœur. Mais moi, j'ai pratiquement vécu dans le volley-ball. Oui. Pratiquement. Et à l'époque même, tenez, une fois, on devait aller pour un retour de compétition à Ouagadougou, on n'avait pas les moyens. Et moi, je venais de toucher mon salaire. J'ai payé les billets pour aller à Ouaga. Pour prendre le train. Pour prendre le train. Pour aller jouer. Et heureusement, on a eu des sous là-bas. On a gagné des sous pour retourner. Sinon, je me disais, comment on aurait fait, Donc, on ne pouvait même pas parler de prime à votre époque. Prime? Qui parle de prime? La première fois qu'on a... Je veux encore raconter une chose. Oui. On est allé au Togo pour jouer. Et pour une première fois, on nous a donné 2000 francs à chacun. Tout le monde était étonné. Quoi? 2000 francs. On avait maintenant de l'argent dans les poches. Et au retour, chacun avait 5000 francs. Mais c'était la fiesta, c'était la première fois qu'on voyait ça. Qui parlait de prime? C'est la première fois. Ça fait 7000 francs en tout qu'on avait eu. 2000 à l'aller, 5000 et retour, 7000 francs. Et tout le monde était heureux. Parce qu'on avait eu de l'argent. Vous avez vécu dans le volleyball. Est-ce que vous pensez que vous avez accompli votre devoir d'entraîneur-joueur? Je crois que si. Oui. Mais seulement, ça n'a pas été suivi. S'il y avait eu la relève... Oui. Quelqu'un avait... Voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Après bon, vous Après nous autres, quand je suis devenu préfet... Et quand la caméra ministre m'a mis dans l'abjection territoriale, il y a eu un ministre qui est revenu, et je crois, M. Salam. Kabore. Salam. Mm. Qui a envoyé me chercher à Pensa. Mm. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et M. Nyanou, vraiment, nous savons comment est-ce que vous avez quitté le ministère. Maintenant, là, moi, je vous demande de revenir. Choisissez tout ce que vous voulez au ministère, n'importe quel poste que vous voulez au ministère. Et puis, entre par là, Henri, il dit, sauf mon poste et puis celui de mon délai de cabinet. Choisissez n'importe lequel, je vous affecte là-bas, pourvu que vous reveniez. J'ai dit, je m'en vais réfléchir. Vous n'êtes plus revenu. Je suis reparti, j'ai dit, mais finalement, quand il m'a rappelé, j'ai dit, mais je suis aussi utile là-bas que... À Pensa, qu'à Ouagadougou. Qu'à Pensa, qu'à Ouagadougou. Donc, je reviens. J'ai dit, parce que si je reviens, vous aimez ça. Vous avez votre boulot, mais vous n'êtes pas éternel. Vous repartez, quelqu'un d'autre encore revient et me balance. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Vos efforts ont-ils été récompensés? Je vais par la nation, reconnu par la nation? Une distinction? Bon, oui, j'ai quand même été décoré après ma retraite, là. Ah, c'est venu tard, hein? 10 ans après ma retraite, bon, quelqu'un s'est souvenu de moi, on m'a donné une médaille. Bon, la Fédération École également m'a donné un diplôme de reconnaissance. Bon, le CIO aussi m'a décerné un diplôme d'ailleurs que j'ai accroché là, de félicitations. Bon, voilà comment est-ce qu'on peut exprimer la reconnaissance. Sinon, personne ne se souvient de Nyanou Dramane aujourd'hui. Merci, Dramane Nyanou. Merci Kenny Dava. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que notre invité était Dramane Nyanou, ancien international de volleyball, entraîneur, joueur, formateur en tout cas au niveau de la base. Merci de nous avoir suivis. Vive le sport.